Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est devant Desert Barbell, une salle spécialisée en powerlifting et en haltéro. Franchement, c'est une folie pour ceux qui aiment vraiment ça. Là, vous allez être vraiment servi parce que je crois que c'est une salle de jeu parfaite pour vous. Il y a tout ce qu'il faut. Et nous voilà devant l'entrée. Let the games begin, Desert Barbell. C'est stylé, ça paye pas de mine. Montre un petit peu la zone, regardez. En plein Alcoz, voilà, petit local comme ça, il doit payer rien du tout. Le type doit payer 1500 euros par mois de loyer pour avoir un bon 200-300 mètres carrés. Ça me donne quelques idées. Allez, c'est parti pour la visite. Avant de commencer ce tour, et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti dès que je sors des nouvelles vidéos de présentation de salle. On va démarrer par l'entrée. Ils ont une petite gamme de vêtements designés à leur effigie, Desert Barbell, ouais, des pulls, des t-shirts, hommes, femmes. Ils ont des t-shirts et équipements SBD. Alors je ne sais pas s'ils sont distributeurs ou si juste ils mettent à disposition à l'achat. Pareil pour les protéines compléments, ils ont la marque B-Ace ou Base, je ne sais même pas comment on dit, qui sont aussi présents au Binous. Ils vendent des petites boissons, ils vendent du café. Il n'y a pas de bonbons pour une salle de power, c'est bizarre. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous voyez la salle comme ça, au moins ces petites structures, vous allez voir, c'est hyper bien équipé, c'est vraiment full powerlifting quoi. Vestiaire femme, vestiaire homme. Là, une petite salle de meeting, réunion, etc. Ensuite, ils ont du renfo de chez Matrix. Ouais, leg extension, les curls allongés, un fly arrière d'épaule, un banc à lombaire, adducteur, abducteur, ils ont une vertical chest press là de Matrix, et ils ont le hack squat de chez Matrix aussi, plus une petite presse circulaire magnifique de chez Cybex. Et au milieu, ils ont une grosse jungle, pareil de chez Matrix, avec une tour 4 postes, plus un poste à tirage vertical et horizontal, quelques barres accessoires, ils ont 2-3 mags. Ils ont les haltères qui montent jusqu'à 60 kg, je dirais. Ici, vous avez deux bancs de chez Eleco, le petit support à 6-6 squat qu'on adore. Et après, vous avez toute la salle ici, magnifique. Je vais éviter de filmer les têtes. Et on commence, vif du sujet. Bon, les gars, j'ai pas les rêves de tout. Hein. Les powerlifters aguerris de la chaîne, permettez-vous en commentaire de mettre les références un peu tout. Donc, ils ont toutes les barres possibles et inimaginables, j'ai l'impression. Ils ont même les guenilles aussi. Ils ont la courte, là, les haltères réglables plus les barres. Ils ont des barres Z, cambered bar, des barres d'altéro, des barres de power, mais moi j'ai pas les refs. Ils ont une safety bar Elite FTS, ils ont une grosse fat bar, ils ont une Swiss bar ici. Ensuite ils ont les chaînes et les sangles de chez Spud. Des chaînes encore ici, des stop disques. Voilà, il y a 3 cages à squat. C'est full Eleco. 3 cages à squat, full Eleco. Les disques, c'est full Eleco, il y en a absolument partout. Support de chargement de barre de chez Eleco aussi. Franchement, il y a vraiment, vraiment du matos. Hein. Des bandes élastiques, en veux-tu, en voilà, il y en a partout. Encore des disques. Ensuite, on a l'espace haltérophilie. Et juste ici, donc avec les barres d'haltéro, les bumpers. Pareil, Eleco, hein, donc tout est calibré et officiel pour la compétition. Là, on a des blocs. On a les chandelles. On a un GHD. Pareil de chez Eleco ici. La trap bar, je crois que la trap bar elle est Eleco aussi si je dis pas de bêtises. Pareil, vous me corrigez en commentaire si besoin. On a un peu de cardio ici. On a un ski erg de chez Concept 2. On a 2 assos bike, un rameur classique. On a un magnifique rowing planche de chez Eleco aussi. La barre par contre, je sais pas d'où elle vient. Est-ce qu'on a la barre dessus? Est-ce qu'on a la marque, pardon? Warrior Sport, c'est marqué à l'envers là-dessus. Vous laisserez chercher avec leurs stickers Desert Barbell. Ça, de mémoire, je crois que c'est plus de 1000 euros que le banc Eleco, hein, je crois, de mémoire. Hein. Corps des bumpers ici. Là, on a un magnifique monolift. Alors, je sais pas si c'est la marque là-haut, mais je suppose. TTEK, là, je connais pas du tout. Pas professionnel du tout en matos de power, mais en tout cas, voilà, ils ont un monolift ici. Encore du poids calibré. Ils ont encore des barres. Voilà. Une grosse cambrée de barre, mais je sais plus si elle s'appelle cambrée de barre celle-ci d'ailleurs. Dites-moi en commentaire. Ouais, grosse, grosse barre de partout. Encore une safety ici. Là, on a le petit poste à dips. Le poste à traction. On a de quoi faire du farmer walk ici. On a des plis au box en bois, il y en a quelques-unes. On a un petit tapis qui fait tout le long là. On a bien sûr bon, bah, les bandes bench olympiques. Hein. On en a un, on en a deux où il y a la demoiselle. On en a trois, on en a quatre. Et on en a cinq au fond comme ça de bancs à développer couché officiel.
le petit poste à magnésie ici. Et donc ça, faut me dire parce que ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça, si vous avez la ref, on a cherché avec Yanis, mais on sait pas ce que c'est. Voilà, si vous avez une manivelle, vous avez une petite poignée là-haut, on sait pas ce que c'est. Donc si vous avez la ref, on est preneur. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là, tu sais que tu es dans une salle de power quand tu as un fat pad. Magnifique. Magnifique. Et on a fait le tour, rapide mais efficace. Ah si, là-bas, on a encore un petit peu du matos. Là, on a le tableau des perfs. Parce qu'on va y revenir. Vous voyez, on a les bandes élastiques attachées dans le mur. Donc ça, c'est vraiment top. Et vous voyez, vous avez même le petit tableau là. Pour s'échauffer, franchement, stylé. Voilà le gros règlement du club. Ah, ceux qui sont intéressés, je vous le mets là. Un deuxième poste à bande ici. On a des bâches et l'écho. On a les guenilles. Ensuite, au fond, on a du petit matos d'échauffement. Putain, j'ai plus le nom pour faire des wall balls, là, j'ai plus le nom. On a des kettles, on a des boards aussi, des form rollers, Swiss ball. On a les petites boards que vous pouvez attacher aussi sur les barres de développé couché pour faire du développé couché en réduisant l'amplitude. Et voilà. Voilà pour cette belle salle de power. Franchement, c'est vraiment génial. Mais le tableau un peu, est-ce qu'il y a des perfs un peu ceux qui connaissent un peu les noms, je sais qu'il y a quelques gros noms qui s'entraînent ici. Il y a la musique juste au-dessus, j'espère que je ne vais pas me faire copyrighter. Je vous filme ça vite fait. Il y a quand même des sacrés perfs. Hein. C'est squat, bench, deadlift dans l'ordre, pour ceux qui veulent voir. Ouais. C'est un 315, 192, 360, 400, 215, 315, en équipé, mais quand même. Bon, voilà. Franchement, c'est grave stylé. Ah, je vous remontre une fois la salle comme ça. Magnifique. Et voilà pour ce petit tour de présentation du Desert Barbell. Franchement, c'était génial. C'est la troisième fois que j'y allais. Du coup, j'y suis allé deux fois avec Yanis pour faire les vidéos. Là, j'y suis retourné tout seul pour faire la présentation parce que la dernière fois, j'ai pas pu parce que j'avais un micro qui ne fonctionnait pas. Et du coup, je voulais la faire avec Yanis, la vidéo de présentation. Ça aurait été cool. Bon, du coup, micro marchait pas. J'y suis retourné aujourd'hui pour faire la présentation parce que je voulais vous sortir la vidéo. Mais c'est un mal pour un bien, ça m'a donné une idée. Du coup, on va refaire une vidéo là-bas avec Yanis. Sauf que cette fois, il va me coacher. En fait, il va me faire un cours de powerlifting. Vous savez que moi, c'est pas du tout mon domaine. J'ai quelques prédispositions au bench. Alors, squat et soulevé terre, faut oublier. Donc, je pense qu'on fera un cours de bench parce que j'ai un bon bench. J'avais avant de me péter l'épaule. J'ai pas du tout de technique de powerlifting. Donc, je pense qu'on fera un entraînement focus bench avec Yanis. Et donc, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. J'en profite ici pour remercier le patron de Desert Barbell. J'ai pas son nom, prénom. Yanis le connaît, mais moi, je le connais pas. Donc, du coup, voilà, je suis arrivé. Il m'a laissé filmer. Il m'a reconnu. Voilà, il m'a coupé la musique pour pas me faire striker sur YouTube. Donc, franchement, c'était super gentil de sa part, ça fait plaisir d'avoir des patrons de salle comme ça et de retrouver vraiment cette ambiance qui n'a rien à voir avec l'ambiance bodybuilding et encore moins du binous. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de changer un petit peu d'ambiance. C'est tout pour moi, on se voit dans une nouvelle vidéo.